Célèbre auteur de Gloria Victis, vous disait tout à l'heure, il pensait à son héroïque camarade Henri Regnault, tandis qu'il pétrissait sa main puissante, l'ange de la patrie, transportant au ciel le bel adolescent tombé au champ de vin. J'aurais pu tout aussi bien et tout aussi justement dire que c'était le courage et la ténacité, le talent et la volonté dont Henri Regnault il a symbolisé son superbe grand-mère. Grand-mère, sublime devise, c'est bien, messieurs, la plus juste expression du fier mot d'ordre de la volonté humaine aux prises avec des obstacles surhumains. À coup sûr, Prométhée des romans du ciel. Hercule, qui rassemble Lyon de Némée, avait ce cri-là sur les lèvres. Et pour redescendre des hauteurs de l'Olympe, dans les régions moins lointaines et plus certaines de nos histoires, qu'est-ce que Philippe Auguste a trouvé? Du Quéclin à Cochrel, Jeanne d'Arc à Orléans, Villard à Denain, Dessé à Marengo, Bonaparte à Lodi-Arcole, Napoléon à Stirlitz et à Iéna, sinon à traiter du mortel de victorieux frieurs de grand-mère. En réalité, oui, patriote, quel que soit le siècle où ils sont nés, en quelques points de l'univers, qu'ils soient venus au monde, à quelques patries qu'ils appartiennent, qu'elles soient rangs qu'ils occupent de la société, les hommes se diviseront toujours en deux groupes. D'un côté, les sceptiques et les résignés, les indifférents et les faibles, ceux qui renoncent par avance à tout effort, en murmurant à quoi bon. Ils sont en effet bons à rien ou qu'à peu de choses. De l'autre côté, sous l'autre rive, toujours prêts à se jeter dans le feu déchaîné, à en affronter les courants et à en remonter les flots orageux, ceux qui ne renoncent à rien, ne cèdent à personne, n'hésitent devant aucune tâche, n'ont plus devant aucun devoir, n'ont aucune menace, aucun péril, aucune souffrance, ne peinent d'y fléchir, d'y dévier, et à tourner la volonté. Le tambour bat, le clairon sonne, qui reste en arrière, personne, et quand un peuple qui se défend, en avant. Allons les gars au champ robuste, avançons vite, et disons juste, en celle-là qui nous attend, en avant. Ronde, canon, crèche, mitraille, et un bûcheron de la bataille, ouvrez-nous un chemin sanglant, en avant. Le chemin est fait, qu'on y passe, qu'on les écrase, qu'on les casse, on soit libre, on soit les levant, en avant. Nos nombres grands dans cette plaine, qui est plus grande de notre laine, nous le saurons en arrivant, en avant. Le canon de gauche, qu'importe, le rein tiré est forte, nous le saurons l'enlevant, en avant, tant pis pour qui tombe. La mort n'est rien, vive la tombe, quand le pays en sort vivant.